Et salut les rôlistes, nous sommes le 30 août 2024 et c'est l'avant-dernier épisode de l'avant-dernière question de RPG ED, la personne avec qui je veux jouer. Ben, je vais commencer par moi-même, par souci de montage, avant de laisser la place à mes compagnons d'aventure pour ce RPG ED 2024. Et la personne avec qui je veux jouer, j'ai beaucoup de personnes avec qui je voudrais jouer. Et puis ces temps-ci, je vais prendre du récent, je suis tombé sur un actual play qui s'appelle La Lance Brisée. Donc n'hésitez pas à aller voir, La Lance Brisée, c'est des épisodes assez courts, hein, 45-50 minutes. C'est univers fantasy, donjon, voilà, avec des personnages à niveau, comme on dit. Et surtout, il y a énormément d'humour dans La Lance Brisée. Et donc, j'adorais faire une partie avec Kax. Alors Kax, je ne sais pas si je prononce très bien, mais je crois que c'est Kax, qui est la MJ, une dame, hein, qui est à la manœuvre sur cet actual play. Et donc, bah voilà, ça peut être un objectif 2025, si elle veut bien jouer avec moi à une table sur Time to Roll, je l'inviterai avec plaisir. RPG ED numéro 30. Personne avec qui vous aimeriez jouer. Eh bien, faut savoir que j'ai jamais joué avec l'équipe Time to Roll et que j'aimerais bien pouvoir jouer un jour avec eux. Il y a aussi Guillaume Jantelet, avec qui j'aurais aimé pouvoir jouer au moins une fois sur l'un de ses jeux. Parce que je trouve qu'il fait des jeux très originaux et que j'aime beaucoup ces jeux pour en avoir testé certains. Il y a plein d'autres gens avec qui j'aimerais certainement jouer. Il y a plein de gens avec qui j'ai pu jouer par le passé. Et sachant que j'ai exclu ceux avec qui j'ai déjà joué et que j'aimerais rejouer. Disons que je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais c'est déjà pas mal. C'était le RPG ED numéro 30. Et on vous dit tous les deux à la prochaine. Le joueur avec qui j'aimerais jouer une partie JDR. Alors c'est assez rigolo, c'est une personne où j'ai découvert assez récemment qu'elle était rôliste, enfin qu'il était rôliste parce que c'est un homme, c'est PV Nova. En fait PV Nova je suivais depuis déjà un bon moment ce qu'il faisait en musique sur YouTube, notamment avec les décryptages de musique qu'il faisait, mais c'était déjà il y a un bon paquet de temps. J'aimais beaucoup et je le trouvais très très talentueux. Ensuite j'ai su qu'il faisait de la musique avec Little Big Wayne notamment, et j'aime beaucoup les covers qu'ils font ensemble, c'est juste, ben, c'est incroyable pour moi, voilà, à l'oreille c'est incroyable. C'est une personne que je savais être très douée et en fait j'ai découvert il y a très peu de temps qu'il était rôliste en le voyant sur des petits shorts de vidéos de La Bonne Auberge, je crois que c'était La Bonne Auberge. Et je l'ai trouvé très chouette en tant que joueur, je l'ai trouvé très rigolo. Donc voilà, c'est une personne avec qui j'aimerais, enfin, disons, voilà, ce serait un rêve pour moi de faire un jeu de rôle avec PV Nova. Si jamais tu m'entends PV Nova, sache-le. Mais voilà, c'est vraiment la personne que je vais choisir ce jour-ci. Avec quelle personne aimeriez-vous jouer ? J'ai de la chance, je joue déjà avec des personnes que j'adore et que j'admire et avec qui j'ai une belle connexion et complicité. Mais bon, comme il est important de rester ouvert, je dirais que j'aimerais bien aussi jouer avec Montecristo. On a quelques accointances en matière de jeu et il est très fun, plein de bonne humeur, ce qui est très sympa. Donc je te fais un gros clin d'œil Montecristo et je vous dis à tous à bientôt. Et faites danser vos dés. La personne avec qui je rêverais de passer mes nuits rôliste depuis longtemps maintenant, c'est Maxime Jatham. Ça a été une révélation pour moi le jour où je l'ai vu participer aux tables de Roll and Play. Je trouve qu'il joue, déjà il joue très bien, il est très investi. Il aime beaucoup les jeux que j'apprécie moi également, des jeux horrifiques. Il aime beaucoup l'Appel de Cthulhu, par exemple. J'ai hâte de pouvoir le faire jouer à Noc. Je sais qu'il est comme moi, il collectionne pas mal d'aides de jeu, d'outils pour construire ses campagnes, pour les approfondir. C'est quelque chose que j'ai pu voir chez lui. Ça demeure est juste un fantasme de gosse rôliste, hein, avec une table de jeu magnifique, une armoire qui contient des collections de jeux de rôle, une vitrine qui expose tous ses dés. Enfin voilà, donc c'est voilà quelqu'un qui m'impressionne à ce niveau-là et que je trouverais grand plaisir à jouer avec lui pour une session, pour une campagne, soyons fous. Ça, c'est pareil, ça, c'est encore une question piège à la con, mais j'ai une réponse. J'ai une réponse parce que on est sur Time to Roll. Et ce qui m'a fait venir sur Time to Roll, c'est quand j'ai visionné la campagne des encagés, puisque je la préparais. Et la campagne des encagés, il y avait un MJ que tu dois connaître, et puis il y avait 4 joueurs. Il se trouve que j'ai joué avec Aliath, j'ai joué avec Kylian, j'ai joué avec Alban, et il n'y en a plus qu'une avec qui j'ai pas joué, donc il va bien falloir qu'à un moment je réussisse à trouver l'occasion de jouer avec Kapryss.